Et yo tout le monde, du coup j'espère que vous allez bien les gars, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo pour vous dire de vous dépêcher de vous connecter sur Fortnite puisque les 6 récompenses gratuites de l'événement de la Saint-Valentin, donc Cœur Sauvage, sont désormais disponibles. Donc je vous mets un lien en description redirigeant vers l'événement puisque les défis ne sont pas disponibles directement depuis le jeu Fortnite, ils sont disponibles sur leur site tout simplement. Ensuite, après avoir cliqué sur le lien que je vous mets en description et en commentaire épinglé, vous vous retrouvez sur le site d'Epic Games avec l'événement Cœur Sauvage. Tout le monde aime les défis et les récompenses. Êtes-vous prêt à rejoindre votre créateur pour la Saint-Valentin et accomplir des défis? Donc première chose, pour obtenir ces 6 récompenses gratuites pour le jeu Fortnite, vous allez devoir, pour la première étape, vous connecter. Donc ensuite, une fois que vous êtes connecté, vous allez devoir rejoindre une équipe à soutenir. Donc vous pouvez choisir de soutenir Blondie Peach, Jean-Fils ou Cocteau. Donc voilà, vous faites tout simplement rejoindre cette équipe. Donc vous choisissez et vous rejoignez. Donc après avoir choisi une équipe parmi celles proposées, vous arrivez sur cette page-ci. Donc Cœur Sauvage, votre total de points. Et après, maintenant que vous avez rejoint une équipe, voici la suite du programme. Première étape, revenez chaque jour pour vérifier les nouveaux défis de votre équipe et de votre créateur. Donc les défis sont uniquement disponibles sur le site, donc je vous montrerai où juste après. L'étape 2, c'est de lancer Fortnite, accomplissez les défis et gagnez des points pour votre équipe. Étape 3, suivez la progression de votre équipe dans le classement, essayez d'atteindre la première place. Et d'ailleurs, si vous souhaitez des informations complémentaires concernant l'événement, n'hésitez pas à aller checker la vidéo qu'on vous a sortie hier sur comment débloquer le skin flash gratuitement sur Fortnite. Et on vous parle également des récompenses gratuites de la Saint-Valentin, on vous explique en plus en détail de comment se déroule l'événement. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Donc ensuite, on a des informations sur ce qu'il y a à gagner. Donc gagner jusqu'à 5 récompenses dans le jeu selon la position de votre équipe dans une même région. Donc on va avoir la possibilité de gagner l'émoticône l'un pour l'autre, l'aérosol amour aquatique, la pioche lame langoureuse, la bannière combat en équipe cœur sauvage et pour finir le revêtement forme pétulante. Donc on a bien 5 récompenses que l'on pourra gagner lors de cet événement. Donc ensuite, juste en bas, on peut voir le palier de prix affronter les 4 autres équipes de votre région pour obtenir des récompenses dans le jeu. Selon le classement de votre équipe, les récompenses seront différentes. Donc si votre équipe que vous avez choisi de soutenir atteint la première place, vous gagnez les 5 récompenses. Si vous atteignez la deuxième place, vous recevez 4 récompenses. La troisième place vous donne 3 récompenses. La quatrième place vous donnera plus que 2 récompenses. Et si vous finissez cinquième, vous gagnerez qu'une seule des récompenses affiché juste ici. Pour ceux qui aimeraient savoir où se situent les défis, comment voir son classement, il vous suffit d'aller dans le tableau de bord et ici vous avez les défis de jour qui sont indiqués. Donc pour le premier jour, on a un défi qui s'intitule tous ensemble, faire 3 parties de Ford Empoigne en coup fatal, ce qui vous donnera 30 points. Limite de récompense unique, état 11h, donc il reste 11h pour faire ces défis. Ensuite, on a un deuxième défi au meilleur niveau, gagner des parties dans un mode standard, solo, duo ou section. Chaque victoire royale rapportera 50 points. Donc là, valeur du score, chaque victoire égale 50 points. Limite de récompense illimitée, pareil, il nous reste 11h pour faire ce défi du jour 1. Et ici, on peut voir les défis que devra réaliser votre créateur. Donc pour ma part, j'ai choisi Jean-Fils. Et pour voir le classement de votre équipe, il vous suffit de descendre juste en bas. Et on peut voir juste ici le classement de l'équipe. Vérifier la position actuelle de votre équipe dans la région qui vous concerne. Donc là, on peut voir que moi, j'ai choisi de soutenir Jean-Fils qui est à la 3ème place. Ce qui nous donne 3 récompenses si l'événement se termine et qu'on n'a toujours pas augmenté au niveau de notre position. Donc à la 2ème place, on a l'étoile noire et à la 1ère place, on a Blondie Peach. Je vous le rappelle que ceux qui sont dans la position 1, ils gagneront toutes les récompenses. Ceux qui seront 2ème gagneront une récompense de moins et ceux qui sont à la 3ème place gagneront 2 récompenses en moins. Donc vraiment, l'objectif, ça va être de faire un maximum de points pour l'équipe que vous avez soutenue histoire d'avoir toutes les récompenses. Sur ce les gars, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, à plus, à la prochaine.